réputation du bois est de longue date et de toujours, je dirais, même du temps effectivement de mes études, pour un matériau qui est un matériau de la noblesse, un matériau de la chaleur, un matériau de l'odeur. Ce matériau, qu'il soit transformé, qu'il soit dans sa simplicité, dans son évidence constructive, dans son apparence, est un matériau qui permet énormément, et à l'époque où nous sommes, un environnement qui nécessite de l'attention. La découverte du Kerto a été effectivement pour moi, je dirais, l'objet d'une grande découverte de par effectivement ce panneau, puisque voilà, avant tout je l'ai compris et vérifié effectivement à l'usine en Finlande par effectivement l'intermédiaire de sa fabrication, donc de ce panneau qui effectivement permettait, on va dire comme un travail de couture, hein, permettait effectivement des découpes formelles absolument innovantes. Ceci, bien sûr, des performances constructives, bien sûr, des performances techniques par le fait que cela mêlait, hein, aux lames croisées dans l'autre sens, donc la mêlée traditionnelle devenait aussi un élément, on va dire, esthétique, voilà, permettant d'enclencher effectivement de grandes portées, à la fois permettant par sa composition telle que le Kerto Ripa, effectivement, de libérer les sols de la structure, nous avons fait des cours scolaires, effectivement, sur Saint-Denis. Le projet de l'île de la Cité, bâtiment d'accueil au public et poste de contrôle de sécurité, a utilisé le Kerto pour de simples et évidentes raisons, qui étaient avant tout la notion de légèreté, puisque nous étions dans un site très contraint, dans un site tout effectivement archéologique, monument historique, qu'il en fallait s'en décoller tout en s'accolant. Une rapidité d'exécution, parce que nous sommes dans un site contraint aussi, bien évidemment, puisque le site de la factorie est un site protégé et préservé.